allez bien. On a pris cool ce matin, donc c'est pour ça que pas trop story. C'est Théo qui est allé d'ailleurs amener Loan à la crèche à 7h. Du coup, je pense que ça a piqué un petit peu. Mais voilà, on a passé une soirée sympa. Et en fait, bon, vraiment, c'était pour marquer le coup. On avait fait un gâteau, mais vraiment, c'est bon, on a fait un petit gâteau et tout. Et en fait, et donc, qui était livré, c'est moi qui m'en suis occupée, qui était livré directement au restaurant. Et en fait, Jess, on parle et tout, nana, et vers 10h, mais tu, par contre, tu sais que le gâteau, t'es sûr qu'il a été livré parce qu'ils l'ont pas. Donc je me dis, ben, c'est assez bizarre parce que j'ai eu le livreur, il m'avait dit qu'il avait été livré, donc je me dis, soit je me suis trompée, soit il s'est trompé. Et bon, j'ai eu le pressentiment que c'est moi qui me suis trompée. Et en fait, je regarde en fait l'adresse, et en fait, je me suis trompée de restaurant, de Babylone. En fait, il y en a un, c'est un café-restaurant, qui était totalement à l'opposé de où on était. Et donc du coup, appelle le livreur pour récupérer le gâteau. Bref, du coup, bah, le chauffeur au début me dit, bah, c'est pas possible, j'ai terminé ma course, je peux pas. Enfin, il était 10h, 10h30. Bon, finalement, on s'est arrangé. Il est allé chercher le j'ai un problème avec gâteau et cadeau. Il est allé chercher le gâteau, merde, au restaurant pour nous l'amener. Enfin, bref, voilà. Donc, on a marqué le coup. C'est vrai que franchement, Théo, bon, tu es beau, mais c'est vrai que Théo, il s'en fout un petit peu aussi. De son anniv et tout, vous voyez, ils se rendaient la balle un petit peu hier. Ils aiment pas trop ça. Voilà, mais bon, bref, on a passé une soirée sympa. Et voilà, quoi, c'était vraiment pour marquer le coup. Juste, si vous avez des idées, je vous explique. Lundi, je viens de recevoir, en fait, ils font le carnaval à la nurserie de Loan. Donc, du coup, il faut les déguiser, bien sûr. Enfin, ma passion, les déguisements. Quand j'étais jeune, enfin, même encore maintenant, mais c'est vrai, quand j'étais petite, j'ai toujours, toujours beaucoup, beaucoup aimé ça, me déguiser, essayer les habits. Je sais, chez ma grand-mère, à chaque fois, j'essayais ces gros chapeaux. Enfin, j'adorais ça. J'ai toujours aimé ça, et donc, du coup, je prends plaisir à le déguiser. Donc, du coup, on avait fait un peu Halloween, mais là, ils vont tous être déguisés. Donc, si jamais vous avez des petites idées de déguisement, comment je pourrais le déguiser, il faut que j'aille, du coup, dans le week-end, là, pour trouver un déguisement. Hier, je me suis fait un brushing un peu. Vite fait, et je me disais, franchement, je suis tellement contente de mes cheveux. C'est peut-être des petits trucs pour vous des fois, mais en fait, j'ai tellement galéré après cette chute d'hormones et que je voyais mes cheveux dans l'état où ils étaient. Et je me disais, mais jamais je vais réussir à les récupérer. Et après ça, de me dire que voilà, que ça faisait des années que j'avais les extensions, et que là, dire que mes cheveux, je suis tellement, tellement contente. Allez, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On est à Global Village. On rejoint Manon et Doudji Aria. Anto et Jordan, ils n'avaient pas fait encore. Donc, hop, voilà, on se fait une petite balade. Il y a beaucoup de monde par contre. C'est vendredi soir, donc il y a vachement de monde. Et voilà, on va faire les manèges, on va s'amuser. Mon chat. Et voilà. Je pense que maintenant vous connaissez, on est venu très souvent à Global Village. Donc, en fait, c'est plein. En fait, vous avez plein de petits. Ouais, vous pouvez payer en fait sur tous les pays du monde, donc vous avez toutes les nourritures. On a déjà mangé là, en italien. Vous avez la nourriture turque, égyptienne. Enfin, vraiment, vous avez tout. C'est trop trop cool. Vous avez plein de petits marchés comme ça. Là, c'est le côté un petit peu pâtisserie. C'est super sympa avec les enfants, vraiment.